Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, vidéo animation des box du mois d'avril. Donc je vous invite à aller retrouver les différentes vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous aurez logiquement le lien en description, peut-être une petite fiche info qui s'affichera au-dessus à droite de moi. Donc là, présentation de la box mer. Malheureusement nous ne sommes pas en mer, c'est un petit peu loin de chez nous. Donc là on est toujours au même endroit, à Millau sur le Tarn. On ne sait jamais s'il y avait un bar qui traînait par là, mais de toute manière les leurs qu'il y a dedans pourront peut-être permettre, on ne sait jamais, de prendre un poisson. Il faut toujours espérer. Box mer très particulière ce mois-ci, c'était une box mer spéciale Savage Gear. Honnêtement, même moi, je ne savais pas que Savage Gear avait une gamme saltwater, donc pour la mer. Mais vraiment, en voyant les produits, il y a vraiment une sacrée gamme. Donc vraiment une très jolie box avec 6 produits à l'intérieur qui sont vraiment tous faits. C'est vraiment la gamme saltwater qui sont vraiment faits pour la pêche en mer. Donc principalement le bar, le lieu, la vieille, mais principalement bar, lieu. Je pense que c'est à peu près les deux poissons que vous pourrez viser. On va commencer avec le premier produit donc, de chez Savage Gear, c'est le TPE Minnow, donc un petit shad prémonté avec une articulation, donc tête plombée articulée et surtout monté en texan. Donc ça très pratique quand vous pêchez par exemple dans des têtes de roche au-dessus des herbiers, quand vous avez vraiment des spots très encombrés que vous ne savez pas trop avec quoi commencer, bah c'est vraiment je pense le type de leurre avec lequel commencer. Vous avez peu de chances de l'accrocher, même si malheureusement en texan, si vous vous coincez entre deux cailloux, ça sera la même chose. Mais honnêtement voilà un produit très joli avec un très joli coloris adapté mer. Au niveau de l'animation, donc là, bon, ça reste quand même un leurre souple plutôt classique. Donc, il va y en avoir plusieurs. Donc, on va faire un lancer. Avantage, ça se lance très très bien. Hop. Donc, premier lancer du lancer ramené linéaire. Donc, ça, je vais pas vous le présenter 30 ans. Le truc classique. Et ensuite, vraiment animation d'antique. Donc, vous allez aller prendre contact avec le fond. Hop, la bannière s'est descendue, je suis au fond. Et par exemple, vous allez pouvoir mettre une grande tirée plutôt ample. Comme ça. Hop. Et ensuite, vous accompagnez votre leurre à la descente. Et vous remettez une grande tirée. Et la variante de cette animation là, c'est vous prenez contact avec le fond et ensuite vous moulinez, vous arrêtez, vous moulinez, vous arrêtez. Et en fait à chaque fois que vous arrêtez, vous attendez de reprendre contact avec le fond, hop là je suis au fond et hop vous reprenez votre animation et ainsi de suite. C'est vraiment très simple. Donc ça c'est vraiment l'animation en dents de scie. Donc soit vous pouvez faire avec des tirées plus ou moins sèche, plus ou moins rapide, ou soit juste avec le moulinet, c'est la version plus simple qui fait à peu près le même résultat sous l'eau. Donc vraiment un produit très sympatoche et qui logiquement aura une bonne durée de vie du fait qu'il soit monté en texan. Le produit suivant, donc c'est le Seeker ISP de chez Savage Gear toujours, donc c'est en 13 grammes si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un jig mais avec une petite variante, je pense que vous allez voir quand vous allez ouvrir le packaging. En gros sur le jig vous avez tout simplement, bah déjà je pense que vous allez le voir, le triple n'est pas accroché. Donc en fait vous avez un trou tout simplement au milieu du jig, donc vous faites passer votre fil dedans, ensuite vous mettez une petite bille, vous avez plusieurs billes qui sont fournies, la bille en fait sert à protéger le nœud que vous allez faire en bas, tout simplement pour éviter que le leurre vienne taper dans le nœud et que ça casse. Et ensuite en bas, tout simplement, vous venez accrocher votre trip, vous faites un nœud basique, hein, le nœud que vous faites d'habitude. Et en fait c'est un montage coulissant, donc je trouve ça vraiment sympatoche. Les billes sont fournies, l'hameçon triple est fourni, les finitions sont très jolies. Je pense que c'est un peu la techno, ce qu'ils appellent 3D chez Savage Gear, donc avec des espèces de scans 3D qui sont faits sur les leurres pour vraiment ressembler. Et après ça reste vraiment un jig classique mais avec ce fameux montage coulissant. Au niveau de l'animation, vous allez voir c'est un produit quand même qui est un petit peu particulier. Donc en fait à chaque pause, à chaque fois en fait que vous allez décoller votre leurre et que vous allez le laisser descendre, le leurre en fait va descendre en arrière. Il va en fait repartir en arrière comme ça. Et en gros, normalement, c'est censé imiter un lançon qui essaierait par exemple d'aller taper dans le fond ou de s'enfouir dans le sable. Donc c'est vraiment typé là-dessus justement pour les poissons qui vont chasser ce leurre-là. Donc en gros, apparemment, surtout ce qu'ils recommandent, c'est vraiment de faire des petits twitchs. Vous faites des petits twitchs dans votre canne et tentant, vous le laissez redescendre. Et à chaque fois qu'il va redescendre, il va vraiment redescendre en arrière. Faire vraiment une grande glissée comme ça. Du petit twitch, on le laisse redescendre. Vous pouvez le faire remonter un petit peu et vous le laissez redescendre. Le troisième produit, donc c'est toujours de Savage Gear, c'est le Sand Hill en 12,5 cm. Donc toujours pareil, un leurre prémonté, cette fois-ci avec une tête beaucoup plus profilée, pas montée en texan. Donc l'avantage des têtes profilées, c'est que c'est vraiment des têtes qui vont beaucoup plus, enfin avoir une, on va dire une force de pénétration plus importante dans l'eau, qui vont descendre plus rapidement dans la couche d'eau, qui vont permettre de prospecter des couches d'eau un petit peu plus importantes. Au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, on va plus privilégier animation en dents de scie pendant que le vent s'est calmé, ça fait du bien. Donc animation en dents de scie. Hop, on laisse couler, on va essayer de prendre contact avec le fond, ce qui a été très rapide. Et ensuite, on décolle, on accompagne à la descente, on décolle, et vous allez mettre vraiment des tirées très amples.
vous mettez des tirs et traits, vous faites remonter votre leurre, ensuite vous l'accompagnez à la descente, toujours avec une bannière plus ou moins tendue pour sentir tout simplement si vous allez prendre une boîte à la descente, parce que c'est souvent à la descente que vous allez prendre des touches sur shoulder de leurre là. Ça peut arriver aussi pendant l'animation, mais vraiment des tirs amples, et après vous pouvez varier avec des tirs plus ou moins rapides, mais vraiment cette base d'animation là avec des tirs amples comme ça, vous remontez vraiment votre canne droite au-dessus de vous et ensuite vous relaissez couler. Et vous recommencez, c'est vraiment une animation qui marche plutôt bien. Le produit suivant, donc là c'est un jig beaucoup plus classique, c'est le Psycho Sprat, toujours de ces Savage. Donc avec ce type de jig là, vous allez bien évidemment pouvoir faire de la verticale, c'est vraiment fait pour ça. Surtout si vous pêchez principalement en bateau, en mer la plupart du temps. Je sais qu'il y en a de temps en temps qui pêchent en float tube ou en kayak, donc ça sera plus typé vraiment kayak ou pêche en bateau. Au niveau de l'animation, il y a aussi une animation qui peut se faire tout simplement sans pêcher en verticale. Donc là, je vais essayer de vous la faire en rapidos. Donc vous lancez et donc vous allez faire du lancer ramené en linéaire, mais avec des tirés. Et vous mettez des tirés comme ça dans votre canne pour faire des accès de jig. Donc là, plutôt rapide parce que du coup, j'ai pas beaucoup de fond et j'ai pas envie de le laisser au fond. Mais voilà, vraiment du lancer ramené linéaire avec plein de petites tirés pour faire vaciller le jig, pour qu'il produise des flashs lumineux. Bien évidemment, ça marche bien quand vous avez des temps assez ensoleillés qui vont bien refléter sur le jig. Mais voilà, une animation vraiment simple. Et sinon, en vertical, c'est vraiment là que ce type de leurre-là va exceller. Vous allez tout simplement pouvoir mettre des tirés. Donc là, bon, c'est pas vraiment de la verticale, je vous montre juste comme ça. Mais voilà, soit des tirés, des petites tirées très sèches, sinon des tirés beaucoup plus amples pour faire remonter et faire redescendre votre jig. Le produit suivant, donc c'est toujours de Savage, cette fois-ci c'est le Line True Sandhill. Donc c'est à petit peu près le même principe que l'un des premiers jigs que je vous ai présenté. Donc c'est un jig, vous allez le voir, avec un trou à l'intérieur. Donc il faut tout simplement passer votre fil dedans, vous faites ressortir, donc vous passez le fil sur la tête, vous le faites ressortir à l'arrière du leurre, vous mettez une petite bille qui est fournie entre l'arrière du leurre et votre nœud. Et donc là, la particularité, c'est que vous avez un hameçon simple ou un hameçon triple. Moi, bien évidemment, j'ai monté le simple pour limiter le risque d'accrochage. Et au niveau de l'animation, ça va être un petit peu pareil. Donc là, c'est juste un jig qui est un petit peu plus volumineux. De ce que j'ai vu, qui va vraiment se mettre à osciller comme ça à la descente, qui fait de très jolis flashs. Donc ça, je pense vraiment avec ça, vous allez pouvoir vous régaler. Donc je vais vous montrer rapidement. On fait un petit lancer. Et donc là, je vais privilégier l'animation en twitching. J'ai vu qu'en twitching, ça marche apparemment plutôt bien. Hop, vous mettez des petites tirées et en fait, le jig oscille. Et quand vous faites des pauses, ils descendent, ils ondulent et en fait ils redescendent un petit peu en arrière comme ça. C'est vraiment très très sympa à voir. Et je pense que sur les poissons, ça doit vraiment avoir un effet plutôt sympatoche. Ça doit imiter, je pense, un lançon ou quelque chose du genre. Donc soit voilà, plein de petites switches en ramenant en linéaire, ou sinon de temps en temps vous faites des petites pauses et vraiment le leurre va redescendre rapidement comme ça en marche arrière tout simplement. Donc vraiment un petit peu comme le premier, mais cette fois-ci avec un leurre un petit peu plus volumineux. Le dernier produit de la box, c'est tout simplement un tout petit crabe qui s'appelle le 3D Mani Crab, toujours de Savage. Donc là, l'utilisation va être un petit peu différente. Ce que je peux vous recommander, donc c'est soit de pêcher en rock fishing. Donc vous avez plein de types de montage avec, donc soit avec une TP classique, soit avec un hameçon simple, tout simplement sans plomb, ou soit directement sur un montage drop shot, ça peut être très sympa. En rock fishing, je pense que vraiment, si vous pêchez sur les bordures, ça pourra être très sympathique d'employer ce petit crabe. Au niveau de l'animation, tout simplement, ça va être de pêcher la plupart du temps sous vos pieds. Vous allez pêcher sur les berges. Et en fait, vous allez tout simplement jeter le crabe, le laisser descendre gentiment et en fait l'animer devant les poissons. Donc je sais que par exemple on peut faire du gobie comme ça et vraiment des toutes petites animations dans votre canne et le faire suivre. Si vous pêchez en drop shot, vous faites une animation drop, vous allez lancer sur un spot précis et faire des petites tirées histoire de l'animer. Et si vous pêchez avec une TP classique, vous allez l'animer comme un leurre souple plutôt classique. Et n'hésitez pas vraiment à le laisser sur le fond, faites le dériver tout doucement et en fait essayez d'imiter le plus possible un petit crabe qui pourrait se déplacer. Je sais que par exemple les barres, les loups en mangent vraiment pas mal, ça leur arrive vraiment d'aller taper dans les petits crabes le soir dans les bordures. Donc ça peut vraiment être une petite alternative bien sympatoche. Donc au niveau de la box mer, je pense que je vous ai tout dit, une box vraiment très remplie. Je pense que vous allez vous faire plaisir, n'hésitez pas à nous envoyer les photos des produits, des poissons que vous ferez avec les produits de la box. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.